Le saviez-vous? Le blanchiment de la peau est un phénomène qui vous expose à des risques tels que le cancer de la peau. Savez-vous que beaucoup de personnes n'ont pas pu bénéficier d'interventions chirurgicales salutaires à cause des conséquences désastreuses du phénomène de dépigmentation ou encore appelé Sciatoli? Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup de personnes considèrent le phénomène de blanchiment de la peau comme un facteur d'embellissement ou d'attractivité, alors que cette pratique peut vite se transformer en un aller simple vers une fin désastreuse. Je suis Laetitia Meilleur, candidate numéro 282, et aujourd'hui je vous parle des dangers liés au blanchiment de la peau. Ces dangers-là me rappellent l'histoire de cette femme qui, après avoir vécu ou subi un accident, s'est blessée au pied et a vu ses points de suture se rompre parce que sa peau était trop faible pour les supporter. Oui, cette femme-là, qui a dû se soigner au traditionnel et certes a survécu. Mais est-ce que cela a été le cas de d'autres personnes? Je vous pose la question. D'où vient cette nécessité de se dépigmenter? Cela vient-il des standards de beauté communiqués à l'Afrique? Combien de personnes ou combien de fois avons-nous rencontré ces personnes qui ont le visage clair, la peau pâle et les doigts et pieds abîmés à cause de l'utilisation de produits décapants et blanchissants? Aujourd'hui, par ma voix, je vais vous dire, comme dans le livre de Cantique 1, verset 5, « Tu es noire, fille, frère, sœur, mais tu es belle. » La peau noire n'est pas une maladie, non, bien au contraire. La peau noire est aussi synonyme de beauté. Et je vous encourage toutes et tous à préserver votre teint naturel et à éviter la dépigmentation qui peut vous causer même la mort. Je suis Sopi Laetitia Meilleur, candidate numéro 282, et je vous invite à voter massivement pour moi sur le site www.miss20.org ou en envoyant Miss 2.0 282 au 7958. Je vous remercie.